Amis cinéphiles, voici la rentrée du cinéma avec la compagnie de théâtre et de cinéma Semako Obaho qui vous présente Pépé Choupé. C'est l'histoire d'une veuve qui s'est remariée plusieurs années après le décès de son mari à Pépé JP. Le kamikaze, le mouluata à Fuluta Toto, Pépé JP qui prend possession des biens du mari de feu qu'il gère à sa convenance. Au Glewemasa, au Mewemayato Sikomea, et tes capo ben magadosi. Le grand scandale, Pépé JP veut faire la chose avec la fille de sa femme, la veuve. Pépé JP de la compagnie Semako Obaho est en vente partout sur le territoire national et dans les feux tricolores, mais aussi au siège de la compagnie au ciné Opeoloa à Cotonou. Au prix banjo de 1000 francs, Chakidoko Banjo SA. Liste de dots. 4 vipères. Et est-ce que tu as pris au moins la peine de leur demander si c'est vivant ou bien mort? Je vais les Là, tu es en sécurité. Il faut te protéger. Oui, c'est ça. Ça. C'est ça l'essentiel. C'est ça. Mais ça, où tu blabais? La bête. Tu vas commencer. Oh, papa. En cas d'accident. Aïe, dis-moi. À face à. À face à ton rien. Je vais la faire. Je me demande international. Hein? Je suis reconnu par tout le monde. À comprendre bien. Je vous ai attaché en cas d'accident. Parce que le plan a fait les voitures. Ils ont fait cette idée de sécurité. Maintenant, ils ont fait erreur. Normalement, ils devront faire ça encore pour les engins. Pour les motos. Ils n'ont pas fait ça. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de faire ça.
Parce qu'en cas d'accident, je tombe. Et le client aussi tombe. Si le client tombe comme ça, ils ont moins fort, ils ont moins tout, ils ont pas tant. Et moi, je ne vois pas pour le mais vous, les semi-diamants, vous filez trop. Mais au cas où vous dites, d'ailleurs, il y a des bonnes. Avant, je roule doucement, là, c'est bon. On ne fait pas l'accident. Pourtant, je ne fais qu'accident. Mais tu n'es pas prudent sur la voie. Prudent? Il faut être toujours prudent sur la voie. Prudent? Oui. Tu vois, par exemple, avant qu'il y ait là, il faut regarder. T'as vu ça? C'est rien que des blessures. Non, ne vous inquiétez pas. Faut pas avoir peur. C'est les bandits qui vous ont attaqué ou bien. Non. Je ramasse les gens, je tombe parfois au moment de rouler là. Et vos décès, nous. La messe va commencer d'ici. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas le problème. La messe va commencer maintenant. Pour l'affaire de s'écouter là, faut pas t'inquiéter. Regardez. J'ai pris tout à position. Non, je n'ai pas besoin. Vous avez besoin. Mais papa, je n'aime pas ça. Mais déchaînez-moi. Papa, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, papa. Aïe, tu es le migadé. Papa, je n'aime pas ça. Mais il y a plein de maisons qui m'ont dit. La messe est déjà sortie. Mais monsieur, qui fait quoi là? Papa. Papa, non, papa, je vais prendre. Donc, ça, c'est bien pris. Mais nous sommes fiers là. Aïe, pourquoi il y a? A mis ça à coton. Mais ils ont fait mon cadeau, mais les gens fiers là. Mais il y a personne ici pour interviewer ça. Voilà, il y a la messe à l'attente. Voilà, il y a mis ça à la messe à l'attente. Vous êtes trop bien de dire. Ah, ça, j'ai fait mieux. A mis ça à coton là. Appelez les sapeurs pompiers. Adjoué quoi? Ah, fille Bénéa. Papa, non? Ah, fille Bénéa. Les amis, allez vous servir. C'est quoi? Voilà à manger. Mais je ne peux pas, parce qu'il y a des sucres dans tout ça, n'est-ce pas? Et les gens ne peuvent pas choses. Vous bim, vous n'êtes pas vraiment. La vie me va. Tu as peur? Oui, mais tu peux tout manger. Car tous les mets que tu vois sur la table sont préparés avec le sucre organique Bro Adami et le Ducolan. Un sucre différent des autres. Quel que soit ton état, il te sauve et te protège dans tout. Maman Dodo, il faut adopter Organic Blue Agave pour tous les repas de ton mari et les boissons aussi. Café ou on a un rendez-vous, il faut verser ça dedans. Donc je peux tout manger. Je peux tout manger. Et tout boire. C'est ça. Yo, dégagez.
Le sucre organique Blue Agave, meilleur bio pour vous, votre famille et pour l'environnement. Adoptez le sucre organique Blue Agave dans tous vos foyers. Disponible dans toutes les pharmacies et les supermarchés sur toutes les conduites du territoire national. Ou à la direction Sobemuf à Bartito, immeuble La Lucie. Téléphone 97 15 44 44 et 95 43 43 89. Chérie. Oui. Hey, Rico. C'est où? Rico. Je le tiens. À la sonnerie de qui? Au tiens, de nous les deux. Je suis venu à cause de la chose. Hein. Le 150 000 que tu as dit. Non, j'ai dit 250 000. Où je vais trouver ça? Tu sais que le temps est dû. Il y a les choses. Tu connais ça que. Alors, chef. Voilà lui là. Il ne maîtrise pas le code. Non, il vous a dit d'arrêter. Continue de pomper. Il ne maîtrise pas le code. Je lui fais comprendre, il ne veut pas comprendre. Donc, il faut explique-toi. Bon, chef. Ça va? Ça va, chef. Est-ce que vous avez maîtrisé bien les codes? Oui, chef. Vous ne faites que des désordres. Hein? Chef, je vous en prie. Sous la route? Chef. Amène-toi ici. Hein? Chef, je vous en prie. Pardonnez-moi, chef. Ça fait une fois. Je t'ai pardonné. Ça fait une fois. Tu es très têtu. Hein? Ta tête là, tu es très. Je vous en prie, chef. Ça fait combien d'années et tu as reçu ton permis? Ça fait déjà 11 ans. 11 ans? Oui. Et tu es sûr que tu n'as pas oublié? Pas tellement, chef. C'est aujourd'hui que je vais te dire. Allez-y. Lis-moi ça. Impoli. Chef. Je suis là, je vais régler votre compte, vous allez voir. Chef, panneau est là. Mais mon panneau est là dans les dièges, non? Allez, dans sa tente, non? Bon, finis. Panneau est l'anglais, mais dans l'été, on a ça même au Wélonoukon. Panneau à Tonga, un panneau d'interdiction. Panneau est là, et ben, il y a un moto de Nima Dinze de Ouo. Il y a mon panneau est là, dans la gare, on a fini. Quel panneau? Ça là. Recommencez. Panneau est là, et là, panneau, ni est mort, et là, donc, allez, dans sa tente, donc, bon, fini, chef. Ça va. Enlève moi mes chaussures. Ah, chef, sonnez. Merci. Merci. On l'est, hein? Eh, oh. Agbomé, il permet de te dire à l'eau, quoi, il con. Non, c'est pas ça, c'est comme. Ah. Eh, bon, d'accord, nous, mais. Est-ce qu'il a Agbomé, il a fait quoi, Wigo? Oui. C'est la vie. Et l'autre, hé, hé! Faut pas casser mon pied. Comment t'appelles-tu déjà? On m'appelle Richard. Richard? Oui. Oh, allez-y, fais ça. Tu es quand même gentil. Tu n'es pas comme les autres chauffeurs qui font des choses là. C'est bon. C'est bon. C'est bon, chef. Tu peux partir. Ok, merci beaucoup, chef. Faut plus faire ça, hein? Non, chef. Tu es gentil quand même. Merci, chef. Hein? Tu vas où comme ça? Je vais à Vogbana. À Vogbana? Oui. Amène-moi des bonnes choses, hein? Ok, chef. Hein? Merci beaucoup. Amène-moi des choses là. Anana. Je vais à Anana à Vogbana. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Merci, chef. Bon, il faut rouler doucement. Merci, madame. Hein? Ouais. Parce que pendant la fête, il faut rouler doucement. Oui, chef. Hein? Merci beaucoup. Bon, à la prochaine. Il y a des chauffeurs très. Très polis. Il y a des chauffeurs. Lui, là, il est. Toi, qui toi, de là? Chef. Je ferai tout possible. Chef. C'est l'autre type là, ça. Il a ses pièces à jour. Mais ce qui lui manque, c'est le respect. Et il ne veut pas comprendre. Monsieur, vous êtes devant une autorité. Pourquoi cette mine? Hein? Quelle est cette mine?
Venez de ce côté. Quelle est cette mine? Il a dit tout à l'heure que j'ai mes pièces à jour. Oui. Et quel est le problème? Même si vous avez votre pièce à jour, si je vais vous créer des problèmes, je peux vous créer des problèmes. Ne croyez pas que nous sommes dans un pays de droit et vous allez faire de n'importe quoi. Vos comportements n'est pas bon. Hein? Vous ne respectez pas les gens. Hein? Je suis après tout, je suis le père de famille comme vous. Et je fais mon travail. Arrivé devant un chef, et vous avez mis vos doigts de la poche. Et vous faites des gigolos. Ça veut dire quoi? Chef, je peux vous créer des problèmes. Chef, non, ce n'est pas ça. Comment? C'est pour éviter tout ça que j'ai mes pièces à jour. Que j'ai mes pièces à jour. Il faut que l'autorité se respecte et puis nous aussi nous allons nous respecter. Écoutez, quand vous avez freiné tout à l'heure là, votre défait arrière là est lent d'allumer. C'est lent. Et t'as de gamin. Hein? Normalement, dans la loi, tes pièces sont à jour. Au moment où tu t'as freiné comme ça, les deux feux arrière doivent allumer. Tiens, comme ça. Et tu es là de crier sur moi. Hein? Lis-moi ça. Ça là. Lis-moi ça. Je dis, si tu es vraiment un vrai chauffeur là, lis-moi ça. Non, moi j'ai fait l'auto-école depuis 1981. Et après? Je ne peux plus lire toutes ces choses-là. Il faut exécuter. J'ai fini avec. Non. Lis-moi ça. Ça, nous connaissons nos droits. Il faut que chacun respecte. Reste dans ces trucs, dans ces droits. Ça me dit quoi? Moi, je ne peux plus lire ça, je ne suis pas à l'école ici. J'ai fini avec ça, chef. Tu es très dur. Toi là, tu es très dur. Tu sais ce que je suis en train de dire? Hein? Fais quelque chose. Même des gens sont des filles. On est là pour vous, non? Hein? Oh, chef, si c'est oh, ça. Toi là. je vais oh, toi là. On vous appelait comment? Moi, hein. C'est Dominique, on m'appelle. Dominique, hey. Oh, mais c'est pas bon, tu es très tuit. Non, je vais repasser. Voilà. Pour la fin, là, je vais repasser. Tu dis que tu vas repasser? Oui, je vais repasser. Hein? Oui, chef. D'accord. Oui. Et bon, à la prochaine. Merci, merci. Bon, chef. Bon, il faut te comporter bien. Il n'y a pas de hein? Okay. C'est ça. Merci. Oh, ah. Et tout là, il est très tuit là. Chérie, il est vraiment têtu. Il est très tuit. Ah, il y a les chauffeurs têtus, il y a les chauffeurs intêtus. Ah, qui sont. Oh, choses là, très tuit. Zegben, chef. Zegben, chef. Il faut surveiller là-bas bien. Hein? Je vous demande. D'accord. Chef, en pleine circulation, il est au téléphone. Je lui dis, il ne veut pas comprendre. Il fait le pont, il fait le zélé. Il fait le pont, il fait le zélé. Et zélé, bien sûr. Ça veut dire quoi, ça? C'est vrai, tu fais les pas et zélé. Non, chef, il est trop dur. Comment dur? Il est trop dur, mais je suis un homme après tout. On dit vous. Mais hein? Tu es au téléphone, on dit, vous êtes trop dur. C'est pas. Comment? Mais vous êtes trop dur, chef. Il est entré, il est dans son rôle. S'il te plaît. Laissez-nous regarder, s'il te plaît. Mais vous êtes au téléphone en pleine circulation. Venez ici, monsieur. Excusez-moi. Approche-toi. Donne-moi le portable. Excusez-moi. Chef. J'ai dit, donne-moi le portable. Chef, pardon, excusez-moi. Ne me saute pas la tête. Mais chef, pardon, excusez-moi. Vous, les enfants des grands quelqu'un, c'est vous qui crée cet désordre. Hein? Mais il est vilain, pardonnez-la. Mets-toi d'ici. Chérie. Pardonnez, chef. La bière n'est pas bien fraîche. Ah bon? Je préfère changer. Bah, tu vas aller à côté. Oui. Donne-moi la clé. Oh, pardonnez, chef. Donne-moi ça. Pardonnez, chef. Est-ce qu'il y a carburant dedans? Oui, il y a assez de carburant dedans. Commission. Merci, chef. Prends ça, chérie. Oui. Le fais doucement. Quelqu'un qui a le frein. Hein? Oui, c'est freiné? Oui, c'est freiné. Il y a des freins? Oui, il y a des freins. Prends ça. Allez. Tout à nous. Bon, tu peux partir. Ok, je reviens. Oui. Chef, elle s'est conduite maintenant. Elle s'est conduite ou elle ne s'est pas conduite ou tu es en infraction. Donc la moto aussi est en infraction.
Elle peut tomber, c'est pas ton problème. Tu me fous. Va-t'en, mon commissaire. Mon commissaire. Mais qui ne va comme ça? Mon commissaire. Qui? Mais c'est notre nouveau commissaire. Lui là. Mon commissaire. Venez non. Mon commissaire. Mon commissaire. Commissaire, comment allez-vous? Comment allez-vous? Non. Ça va? Ça va? Oui, commissaire! Bon commissaire! Bon commissaire! Mais c'est quoi tout ça là? Non! Ça va? Ici, c'est la fête, hein? Oui, c'est la fête, c'est comme la fête. Ça, c'est très bon. Oh, bon. Mais, les gars, là, ben, ils font quoi, là? Non, non, c'est les chauffeurs sans pièces. Hein? Ils ne sont pas à jour. Bon. On les taquine parfois. Et le vieux qui est derrière, là aussi? Ah, oui, lui, il n'a pas de permis. C'est bon. Bon, il faut les laisser partir. Hey, allez! Allez-vous-en! C'est parti, chef! Parti. Merci, chef! Il faut remercier le chef! Il faut le boss! Merci, chef! Merci! Bon, c'est bon! Merci, commissaire! Disposez! Mais ça, chef! Ça, c'est quoi ça? Non, c'est le matin, hein! Il n'y a pas grand chose, quelque chose de grand chose, hein! Alors là! bon! C'est. Vous pouvez. Mais un dialogue, tu veux? C'est ce que vous avez trouvé ce matin. Oui, 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 c'est ça. Mireille Mandalo dit. Mon commissaire. Non. Vous pouvez prendre tout, hein. Mais mon commissaire. La journée a été bonne. Ah, on se dépend. C'est ça, non? On se dépend, mon commissaire. Voilà. Okay. Non. Prenez tout. Chef. Vous pouvez. Non, laissez les monnaies. Ah, d'accord. Il faut laisser les monnaies. D'accord. Je prends les billets seulement. D'accord. Monsieur le commissaire. Où est le brigadier? Oui, chef. Viens saluer le chef. Oh. Ah. Salut, mon commandant. Non. C'est le nouveau commissaire. Ah, vous saluez, mon chef. Ça va. Et le boulot, ça a évolué. D'accord. Cela, c'est quoi? Ils sont en faute, ils sont en infraction. Les poulets gâtés, les voitures sans frein. Voilà. C'est ça, il faut les donner. Il faut les livrer. Où sont les chauffeurs? Où sont les chauffeurs? Venez. Mais tu dois remettre ça. Partez. Il faut remercier le chef, partez. Ça, c'est très bon. Mon commissaire. Continue comme ça, un jour, tu seras un grand commandant. Merci, mon commissaire. Merci, mon commissaire. Je vais partir. Merci, côté. Merci, bon. Mon commissaire. Ah, vraiment. Mon commissaire. Non, vous êtes honnête. Merci beaucoup, commissaire. Bon commissaire. Oui. Vous le connaissez aussi? Oui, pas du tout. Il est d'un commissariat. Il a été. Non! Mais c'est le nouveau commissaire de notre ONG, Mivongou. Il est le commissaire au compte de notre ONG. Comment? Commissaire au compte, oui, on l'appelle commissaire. Commissaire? Au compte. Commissaire? Pas de votre corps. Commissaire au compte? Au compte, oui.
Il a fait de mon bec, il est commissaire au compte. Il n'est pas policier. Il n'est pas policier. Non, il est commissaire. Comment tu peux me faire commissaire? Oh, ça veut dire quoi? Il y a quoi, tiens, moi, ça veut dire quoi? Tu m'as dit que c'est le monsieur commissaire. Chef, le monsieur a ramassé mon argent. Respectez-moi. Ça veut dire quoi? Donne ça pour la tête. Oh, qu'est-ce que tu m'as dit? Ciao. Oh, ciao. Gabriel, you are. Où est la clé? Où est la clé? Où est le monsieur? Viens, viens, viens! Où est le monsieur? Monsieur, monsieur le commissaire! Quel... Il n'est pas le commissaire! Hein? C'est un commissaire au compte! Ah, ah, ah. Hein, il a pris par où, chef? Monsieur! Doucement, chef!